Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve sur l'épisode 2 de God of War 4. Alors, la dernière fois, on s'est laissé ici, hein, sur cette petite colline. Donc, on avait. Plutôt, il y a un étranger qui a toqué à la porte. On va faire un combat contre lui. Ça a duré une vingtaine de minutes. Et maintenant, on se retrouve ici. Oh, mon petit Atreus. Oui, hein. Par contre, moi j'aime bien dans ce jeu, vu que c'est un jeu favori, j'adore ne pas courir parce que franchement, Dis, je trouve. combien de temps on va mettre pour atteindre la montagne? Je ne sais pas. On y sera avant l'hiver? Je ne sais pas. C'est bon, c'est bon. Je trouve que ça gâche. Parce que, comme il court là, comme ça, en mode bureau là. Non, je trouve que ça gâche le. Il nous voit pas. Immersion, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est le mode de base, hein. Donc. Donc à partir de maintenant, l'épisode 1, j'ai fait une heure de parce que c'est l'épisode 1 quoi. Bah après, je vais faire une bataille. Concentre-toi. Donc, l'indicateur de menace autour de Kratos pointe vers les ennemis hors de champ. L'indicateur doré signale un ennemi proche. L'indicateur qui est en rouge annonce une attaque imminente. Et l'indicateur qui est en violet annonce des projectiles en approche. Si tu veux m'aider, fais diversion. Distrais ceux dont je ne peux pas m'occuper, mais uniquement si c'est sans danger. Je peux le faire. Non, c'est bon comme ça. Alors, continuons. Alors, il n'y a rien. Oh. Des lieutenants. Tu sais lire ces inscriptions? Certaines. Uniquement les langues que maman connaissait. Mais elles se ressemblent toutes, alors parfois j'arrive à comprendre, même si je les ai pas apprises. Tu vois? Putain, j'aurais bien moi aussi apprendre comme ça. Franchement, pour l'anglais ou quoi là. Autre chose? Espace tes tirs, la vitesse te fait perdre en précision. Compris.
Non, merde. Oh, puissant rond. Hé, on dirait qu'il y a un coffre là-bas. Oui, je le vois, t'inquiète. Alors, baiser de L, attaque runique rapide, soit soudaine explosion d'énergie qui interrompt et renverse tous les ennemis à proximité. Alors, du coup, attaque runique rapide. Vous pouvez équiper la gemme d'attaque runique rapide. Alors, du coup, ça donne ça. Donc, ça, je peux l'améliorer. Équiper. Donc là, je vais pouvoir mettre 2 au total. Du coup, ça ressemble à quoi? C'est en gros, j'ai la pierre de pouvoir. Wow, comment t'as fait ça? Je pense qu'on peut aller par ici. Vas-y. Merci. Voilà la montagne. Allons-y. Attends. Ça craint rien. Tu vois? Oh le con. Père, aide-moi. Accroche-toi. Vite. Je glisse. Reste calme. J'y suis presque. C'était pas si mal. Calme-toi. Ton empressement nous tuera. Désolé. Oh, encore des drogards. Mais ceux-là bougent pas. Ils sont morts. Enfin, plus morts. Atreus. Ils sont pas morts, ils sont pas morts. Oh, le coup. Oh. Alors, la santé les ennemis varie du vert au violet en fonction de leur puissance comparée à celle des Kratos. Et... N'oublie pas, la précision avant la vitesse. Lire celui-là. Regarde ça. Ah bah oui. Lila. Oh, c'était une sorte de marché. Les géants se rassemblaient ici pour commercer avec les dieux, il y a très longtemps. Je me demande si Odin est venu ici. Au-dessus de nous, quelque chose brise le mur. T'approches pas trop, hein. Ça m'aime. Oh, lui, ça m'aime. Lui, ça m'aime. Oh.
non. Ok, là je suis bien là. Là j'ai du mal. Mec, la race, c'est le chargé de ma vie. Oh, tu entends? Qu'est-ce que c'est? On verra bien. Ne t'éloigne pas. Mais qu'est-ce que c'est? On s'approche du champ bizarre alors? Eh oui, petite. C'est très chiant. Oh les chiens. C'était une vraie revenue. J'aurais jamais pensé en voir une d'aussi près. Utilise l'XP pour acheter les compétences. Alors, compétences. Ah oui. Oh. Non. Je vais acheter ça. Ah mince. Je peux rien acheter. Et là, portrait, oui. Il peut y avoir deux fois des trucs en dessous. Mais là, y a rien. Oh, il y a un coffre là en dessous. On va y aller, hein. Je comprends toujours pas pourquoi cet homme t'a attaqué devant chez nous. Je te l'ai déjà dit, je ne sais pas non plus. Alors, c'est comme ça qu'on descend. Je sais pas si on va sortir les bonnes manettes, mais. Mais bon. Qu'est-ce que c'est? Et si les revenants ne se déplaçaient pas seuls, et qu'il y en avait tout un groupe qui nous attendait là-haut, et qu'elles étaient vraiment en colère. Atreus. Pardon, j'ai trop d'imagination.
Il faudrait qu'on arrive à remonter là-haut. Mais comment ? Suis-moi. Pardon, je suis... Oh, merde. Putain, je l'ai eu. Plutôt, t'as dit que des gens essaieraient peut-être de nous détrousser. Je les tuerais s'ils essaient. J'ai pas peur. Si on rencontre des hommes, tu resteras à l'écart. C'est compris? Mais... je peux me battre maintenant. Tu resteras à l'écart, Atreus. Un point, c'est tout. Un guerrier géant fait de pierre. Il la prépare à une grande bataille, on dirait. Odin et Laar, et Thor, et même le Serpent Monde. Oh, Thor a dû lui fracasser la tête. Tu vois? Mais là, il est écrasé sous le corps de Rungnir. Idiot. Chose qui est intéressante. Oh!
Tous ces morts, tu penses qu'on sera en sécurité? Tu penses que c'est plus sûr ici? C'est quoi cette odeur? Maintenant! Ce sont des Eliens? Ils sont vivants, regardez! Préparez les feux! Zegmond, des couteaux! Tant de jours sans viande fraîche. Viande? Qui? Nous? Reste derrière moi. Et s'ils se transforment comme les autres? On va devoir les maintenir en vie! Taillés dans la viande, morceau par morceau. Laisse-moi m'occuper d'eux. Prenez la place! Atreus ? Atreus ! En fait, quand il meurt, il ressuscite. Reste ici. Je m'en occupe. D'ici. Alors ressaisis-toi. On doit trouver la sortie. Ici. Trouve un moyen de me hisser. D'accord. Et oui, ils se sont responsables de l'avoir tué. Atreus, la chaîne. La chaîne, oui. Tu réfléchis trop, mon garçon. N'y pense plus. Il t'aurait tué. Je sais, j'avais pas le choix. Je comprends, c'est juste que... Dans ce cas, nous allons rentrer. Quoi ? Abandonner si vite, alors que nous venons de partir. Non, j'abandonne pas. Je peux le faire. Il faut juste que je... Enfin, que je reprenne mes esprits. Monte. Je suis prêt.
écoute-moi. Pour bien se battre, un guerrier doit être sans pitié. La route qui nous attend est longue et semée d'embûches. Elle n'est pas faite pour un enfant. Alors sois un guerrier. Je comprends. Putain, de voir celui qui parle là. Mais qu'est-ce que tu fais? Avance! Allez! Moyen de faire traverser le pont à cette saleté de bourrique. C'est parce qu'elle a peur de quelque chose là-bas dans les arbres. De quoi tu parles? Père, lance ta hache dans ces arbres de l'autre côté du pont. Ceux avec le tronc blanc. Tu avais raison. Hey, tu m'as l'air sacrément futé, mon petit gars. T'es bien un petit gars, non? Elle a un nom? Aucune idée. Cette sale bête m'a jamais demandé le mien, alors j'ai pas demandé le sien. Et toi? Brock. Vera Logan. Tu vas sûrement pas me croire, mais cette hache que t'as là, eh ben c'est moi qui l'ai faite. Moi et mon frère, une de nos plus belles réussites. Alors laisse jamais personne y toucher en dehors de nous deux. Tu dois la manier avec grâce, si t'as pas envie de l'esclater. Je peux y jeter un œil et te la peaufiner maintenant, si ça te tente, le balèze. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Tu avais raison. Je ne te crois pas. Viens, mon garçon. Il y a une rune qui a la forme d'une fourche en bas du manche. C'était notre marque, mon frère et moi, avant qu'on se sépare. Regarde, j'en ai une moitié ici. Alors, tu veux que je l'améliore, oui ou non? Très bien. Tâche de ne pas me décevoir. Mais où est l'autre moitié de la marque? Ah, c'est mon imbécile de frère qui l'a. Mais c'est moi qui ai tout le talent. Regarde. C'est parti. Ben oui, dans l'atelier des nains. Ici, vous pouvez améliorer là. Vous pouvez déjà fabriquer de nouveau. Amélioration, Brock peut vous donner des flammes de glace, une ressource rare. Les ressources retrouvées dans le monde permettent de fabriquer des équipements et aider les animaux. On part sur quoi? Alors, c'est mis en l'air, c'est visite plus de vegans. C'est
c'est bien ça. Tu sais, être petit, ça protège déjà. Y'a moins à frapper. Quoi d'autre? Je suis sûr que ton sourire de vainqueur te protège, mais pourquoi prendre le risque? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, petit? Et ne regarde pas, mais nos amis qui se cachaient dans les arbres sont de retour. Allez, c'est le moment de tester ta hache. C'est de la place pour moi? Ouais, tu casses rien. C'est passable. Comme lui? Je suis pas sûr. Ce chemin, il mène à la montagne? C'est la bonne direction, oui. Tu veux racheter un œil à ma marchandise? Non. Brock! Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi ton frère a la moitié de votre marque? Parce que je veux plus jamais travailler avec ce lèche-bot. J'allais pas le laisser l'utiliser tout seul, et lui non plus. Alors, la seule solution, c'était de couper la marque. 50-50, pile au milieu. Il n'y a plus que là-dessus qu'on était d'accord. Quoi? Tu veux que je t'embrasse? Fiche le camp! Pardon. Juste une chose, faites bien attention à vous. Ces temps-ci, il y a encore plus de saloperies mortelles qui parsèment les routes que d'habitude. On a remarqué. T'as une idée d'où ça peut venir? Il y a peut-être plus de place à elle. Ou bien c'est encore Odin qui prépare un sale coup. Ou peut-être qu'ils se sont perdus. T'auras qu'à leur poser la question quand ils te mâchouilleront le visage. On fera attention. C'est bien. Bon, bah, du coup, je vais arrêter là. Hein. Allez, mettons comme ça, allez. Du coup, bah... N'hésitez pas à vous abonner, à liker et ciao.